je fais une vidéo. J'espère que ça va peut-être vous aider à avoir des idées cadeaux. Donc là, je vais vous montrer, j'ai acheté sur Amazon. Alors, sachant qu'Amazon, même si vous commandez à partir d'aujourd'hui, je trouve que c'est assez rapide. Donc normalement, vous avez logiquement... Alors attendez, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Logiquement, ça fait un délai de 2-3 jours. Après, ça dépend le vendeur, mais moi, je les ai eus assez rapidement. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted. Donc pareil, moi, j'ai bien précisé pour chaque personne que j'ai commandé. Je leur ai envoyé à tous un petit message comme quoi j'aimerais bien l'avoir avant Noël. Donc je tiens à préciser quand même que la plupart des choses que j'ai prises, c'est du neuf sur Vinted. Il y a peut-être deux articles qui ne sont pas neufs, mais le reste c'est neuf. Donc moi j'ai bien précisé, j'ai bien regardé que ça soit des choses qui soient neuves parce que c'est pour offrir aussi. Et ensuite j'ai acheté j'ai acheté un objet sur la Fnac et je dois en recevoir un autre donc je pense aujourd'hui. Donc voilà. Donc en fait la Fnac c'est pareil, vous pouvez acheter même maintenant, 2-3 jours c'est fait, vous l'avez chez vous. C'est assez rapide. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. On va commencer par la Fnac. Voilà. Donc j'ai acheté ceci. Voilà. C'est tout mignon, c'est une pop. C'est une pop Stitch. Comment dire ma. C'est, voilà, je vais pas vous dire à qui c'est qui, hein, mais c'est pour offrir. Donc je suis hyper contente de l'avoir. Sinon j'en avais vu plein hein, sur les sites chinois, etc. Mais je voulais pas prendre de risque. Et pour le coup, je l'ai pris sur la Fnac et je l'ai eu en 2 jours. C'était chez moi. Donc c'est nickel. Franchement, nickel. Ensuite. Nous allons passer sur Amazon. Donc Amazon, j'ai acheté beaucoup de choses aussi qui étaient neuves, bien sûr. Donc j'ai pris un t-shirt qui se bien emballé en plus. Et j'ai pris ce t-shirt-là qui est magnifique. Voilà. Je pense que les inconditionnels des années 80-90. Hein, vous souvenez bien de ce petit groupe, bah ce petit groupe, ce groupe, et voilà. Et donc c'est un t-shirt, comme vous pouvez le voir. C'est un t-shirt et c'est du XL et c'est Metallica bien sûr. Vous avez reconnu l'écriture et le dessin et je l'ai trouvé super beau. Donc c'est pour offrir aussi. C'est arrivé assez rapidement aussi, donc franchement j'étais ravie. Ensuite j'ai pris des DVD. Donc j'ai pris celui-ci, donc je ferai un coffret, un style de coffret en fait. Donc j'ai pris celui-ci, c'est au théâtre ce soir, c'est de la gamme au théâtre ce soir. Donc j'en ai trois comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc le premier c'est la facture, excusez-moi. Donc c'est des comédies. Hein. J'ai eu aussi Ferraille et Chiffon avec Pierre Mondy. Voilà. Ils sont tout neufs. Hein, donc moi le principal c'est que ça soit neuf. Et le dernier, j'ai pris Docteur Glace. C'est aussi une petite comédie. Donc ça va être sympa. Donc ça fera un petit coffret de 3 DVD. Et ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, ben maintenant, on va passer à Vinted. J'ai pas mal d'objets. On va commencer par ce petit pendentif, pareil. Ben, je pense que les inconditionnels d'Harry Potter, vous saurez ce que c'est. Donc je vais vous le montrer, c'est le fameux, donc il est neuf, hein, le fameux collier du passage du temps, je crois, un truc comme ça, d'Hermione. Donc ça c'est pareil, c'est un cadeau pour Noël. Donc je le voulais neuf, et donc j'ai pris que des articles neufs hein, sur Vinted, à part, il y a trois articles que j'ai pas pris neuf en fait, mais sinon les autres c'était pour offrir, donc bah, tout est pour offrir, mais donc il y avait ça. Ensuite j'ai pris ce t-shirt, c'est du 13-14 ans et c'est Stitch et je l'ai trouvé super mignon, donc c'est pour offrir, donc celui-là il faut que je le lave et franchement nickel, franchement je suis hyper ravie, ça je suis hyper contente. C'est aussi pour offrir. J'ai pris ça pour mon pitchoun. Donc, bien sûr, je parle pas des cadeaux de mon grand.
Voilà, parce que s'il voit cette vidéo, je suis dans la merde. Donc, excusez-moi du mot, je suis dans le caca. Voilà, donc en fait, là, je vous présente au moins les deux choses que j'ai pris pour mon petit loulou, mon petit dernier. Donc, j'ai pris ça. C'est un petit volant qui est ventousé, en fait. Donc, vous pouvez le mettre dans le bain. Et vous pouvez aussi le mettre, le bain, je sais même pas si on peut le mettre dans le bain, parce que je crois que ça marche avec des piles. Bon, moi, à la base, c'était pour le mettre sous sa chaise haute. Comme ça, il peut jouer avec et c'est sympa. Ensuite, j'ai pris. Alors ça, c'est pour moi. Je l'ai lavé, je l'ai essayé. C'est une robe, comme vous pouvez le voir. C'est une jolie robe, un peu effet velours un peu. Et franchement, elle arrive en dessous des genoux. Elle est super bien. Franchement, la vendeuse, j'ai beaucoup aimé. Très. D'ailleurs, je l'ai marqué hein, sur mon Vinted que c'était vraiment une bonne vendeuse et que je la recommande. Et franchement, elle est très très jolie. Voilà. Donc, je ne vais pas faire un essayage. Hein, je suis désolée, mais je sais pas que j'ai un peu la flemme, on va dire. Donc, ça, c'était pour ma robe pour le Noël. Et sur Vinted, j'ai pris ça aussi. Donc, c'est un tapis. Je sais pas si, il n'y a pas de photo. C'est un tapis en forme, je ne sais pas si vous voyez. C'est un tapis comme ça. Pour mon pitchoun, voilà, parce que comme il marche à quatre pattes, et voilà, depuis qu'il a 9 mois, il marche à quatre pattes, il a besoin de marcher à quatre pattes. Donc, tout simplement, je lui ai pris ça, comme ça lui fera un deuxième petit cadeau. Je reviens, je vais vous chercher le dernier achat que j'ai fait sur Vinted. Et voilà l'achat que j'ai fait sur Vinted, donc c'est aussi pour offrir. Donc c'est une lanterne. C'est de la marque Jiffy et c'était neuf aussi, hein, la vendeuse me l'avait dit. Et puis elle avait marqué sur l'annonce. Donc c'est une lanterne, je sais pas si vous allez voir. Je l'ai ouverte, bon, elle était un petit peu abîmée au niveau du pied, mais bon, c'est pas trop visible. Je vais vous la montrer comme ça, parce qu'il faut pas que je bouge le carton, sinon. Donc vous avez une lance pour pouvoir la bouger. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Et j'ai trouvé ça super original. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc le haut. Et vous avez ça. Et vous avez donc ici, vous avez des petites bougies. Donc j'ai trouvé ça super original. Et franchement, ça a arrivé assez rapidement. Je peux vous dire que la plupart. Là, j'ai encore plein de colliers que j'attends. Donc je vais forcément vous en faire d'autres vidéos cette semaine, parce que c'est vrai que dernièrement, ça fait une bonne semaine que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolée. Je suis pas du tout assidue comme certaines youtubeuses, parce que moi, voilà, moi je fais des vidéos parce que j'ai envie d'en faire et que il faut que je trouve le moment. Et c'est vrai que c'est pas évident, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, donc j'essaie de pallier. Et donc je me suis dit, comme j'avais, là je suis en train de stocker tout ça, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'était sur Vinted, la lanterne. Donc voilà, voilà les petits achats que j'ai faits. Donc comme je vous ai dit, sur Vinted, vous marquez produit neuf. À chaque fois, quand vous marquez, je sais pas, par exemple, un sac, vous marquez neuf à côté dans les recherches. Et là, vous avez tout de suite les sacs tout neufs. Comme ça va directement, vous n'allez pas vous embêter à regarder si c'est neuf ou pas. Voilà, ça c'est la petite astuce. Et précisez bien, parce que nous sommes lundi aujourd'hui, donc vous avez encore toute la semaine jusqu'à mardi prochain pour finaliser éventuellement, pourquoi pas, vos cadeaux, ou même pour vous. Mais en tout cas, vous précisez bien aux vendeurs ou aux vendeuses de l'avoir avant Noël, parce que si c'est des choses que vous voulez offrir. Voilà, moi c'est mon. Ça c'était mon astuce parce que quelque part, la plupart des choses que j'ai commandées sur Vinted, c'est pour offrir. Il y a des choses pour moi, mais c'est pour offrir en général. Pour la Fnac, franchement, n'hésitez pas. Vous pouvez commander là toute la semaine. Ça va hyper vite. Excusez-moi. Ça va hyper vite. Faut compter 2-3 jours. Donc par exemple, si vous commandez aujourd'hui lundi, vous l'avez mercredi. Donc franchement, ça vaut vachement le coup. Pour Amazon, c'est pareil, c'est assez rapide. Donc moi j'ai pas trop attendu. En 2-3 jours c'était chez moi aussi. Donc franchement foncez-y. J'ai commandé aussi sur un autre site aussi, Rakuten. Je sais pas si vous. Avant ça s'appelait Price Minister. Donc ça pour l'instant je l'ai pas reçu. Donc ça va prendre un risque aussi. Et surtout n'achetez pas pour Noël, du moins pour Noël.
pour des cadeaux Noël sur tout ce qui est site chinois, comme Joom, comme AliExpress, Vova, Wish, tous ces sites-là, parce qu'il y a un délai, et comme il y a eu aussi des grèves, tout simplement, vous n'êtes pas sûr, et je peux vous le dire, que j'en ai fait les frais, parce que justement, j'ai dû recommander une pop que j'ai commandée sur Vinted, que je devrais recevoir dans la semaine, parce que justement, je n'ai pas reçu encore la pop. Peut-être que je l'aurai cette semaine, donc ça se trouve que je vais en avoir deux. Mais pour le coup, voilà, je voulais être sûre d'avoir mes articles que je voulais. Donc je vous déconseillerais franchement d'acheter, du moins pour les cadeaux de Noël, sur Vinted. Sur Joom, les sites chinois. Mais Vinted, ça vaut vachement le coup. La Fnac, Amazon, allez-y foncez parce que franchement, vous avez des prix attractifs et donc très intéressants pour les fêtes. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je ne vais pas faire une vidéo de 4 heures. Je vous fais à tous et à tous de gros bisous. Cette semaine, je ferai d'autres vidéos. Donc, j'espère que vous serez là. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.